situation malouk. Chaque jour, force fait noyau a balé plus terrain. Pays noir a vive un moment difficile. Quelques graines a tout fait, pas respecter femme. Quelques graines bandit, pas respecter bien monde. Quelques graines haïtien, pas respecter la vie, pas respecter la loi. Depuis plusieurs mois, d'un côté, moun pas ka passer. D'un autre côté, moun s'est obligé quitter caillou, prendre refuge sous place publique ou bien caille zami. Ça n'a pas même gain assurance que gang armé pas réenvahir. Moi à l'écoute réflexion population. Moi entendez sa compatriote nou yo a dit sur radio, dans réseaux sociaux et les relais dans téléphone. Yo dim pour qui ça gouvernement pas bail la mais l'ordre pour le bail la police yon coup de main. Moi ta remet ça clair pour tout le monde. Za fait maintien l'ordre courir des volets. Arrêter assassin, faire respecter la loi et assurer sécurité publique en général, c'est travail la police avec la justice. Travail ça yo, la police a fait yo chaque jour, malgré moyens limités. Si la police pas multiplier opération contre gang yo, situation t'a pas fini. Net. La situation dépasse niveau sécurité publique pour tourner un problème sécurité nationale, nous devons admettre la police administrative et la police judiciaire pas formée pour faire face à problème sécurité nationale. Unité spécialisée qui dans la police là pas suffit pour répondre à la situation qui a développé dans le pays. Ça n'a vu journée aujourd'hui, c'est parti à faire. Ça n'a vu journée aujourd'hui, c'est plusieurs groupes bandits qui n'ont toute qualité gros âmes font foi et qui déclarent peuple haïtien la guerre. Là, c'est pas un problème de sécurité publique. C'est un problème de sécurité nationale. Devoir gouvernement, c'est bail citoyen yo sécurité. Pour toute activité économique, politique et sociale qui a fait libre et libre. Pour tout le monde qui a l'école sans qu'elle saute. Pour ça, nous obligés de dégager nous. Pour nous couper toute gang qui a simé la terre avec panique dans la population. Il y a un pile petit pays, femmes ou garçons, qui choisissent sa vie, ce pays, leur rentrer dans l'armée. Ils prennent formation ici, tant que l'autre bord de l'eau. Permettez-moi de remercier publiquement tous les paysans mineurs. Qui voyait instructeur, bah yo bon jeune formation sous place, ou qui recevra plusieurs centaines d'ambio dans base la caillou pour entraîner yo. Nous fiers aujourd'hui, pour nous voir quelques d'ambio dans bel uniforme yo aligné devant nous. Que la situation du pays devient difficile, que des entreprises ferment. Que nous perdons des emplois par milliers. Quand la désespérance atteint un niveau tel que les filles et les fils du pays n'envisagent leur avenir qu'ailleurs. Il nous faut retourner aux fondamentaux, à ce qui a fait de nous le peuple que nous sommes. Et nous sommes devenus ce peuple après l'une des plus grandes révolutions de l'histoire de l'humanité,
celle qui a créé notre pays. Il nous faut utiliser toutes nos ressources, réaffirmer que nous sommes farouchement attachés à nos libertés. Liberté de circuler, liberté de vaquer à nos occupations, liberté de vivre tout simplement. C'est pour cela, aujourd'hui, que je suis venu rendre visite aux forces armées d'Haïti pour signifier à nos officiers, à nos sous-officiers et à nos soldats qu'en ces temps où la lutte contre l'insécurité galopante est devenue la priorité numéro un pour toutes les citoyennes et pour tous les citoyens, nous entendons mobiliser toutes nos forces pour rétablir la sécurité. À l'origine d'Haïti, il y a eu l'armée. Anciens esclaves en avance sur l'histoire, précurseurs et défenseurs des droits humains, dans un monde où les questions raciales déterminaient le destin des hommes et des femmes. Il y a eu, en 1804, cette victoire sur l'injustice que nous continuons de célébrer, que le monde retient, même si Haïti vit, depuis un certain temps, une succession de moments difficiles. Au commencement était l'armée d'Haïti, une armée déterminée qui a mis fin à l'esclavage. Jodia, nous besoin tous force sécurité nous yo. Nous besoin détermination qui déhabitait l'armée indigène. Nous besoin mettre ensemble toute énergie. Énergie la police à toute unité spécialisée yo. Énergie l'armée à collaboration yon peuple haïtien uni pour nous mettre fin à exact criminel cap fait sous population. Abraham dit c'est assez. Faut que bagay ça fini. Moi vinn di aujourd'hui hein, peuple haïtien, c'est pour nous compter sous force l'ordre nous. Moi vinn di nous pays a besoin nous toutes. Moi vinn di nous li fait noir depuis trop longtemps. Parole la parle de tous côtés, dans tout département, tout partout sur la terre, côté qui est haïtien. Pays pas contre coupé, fâché avec l'histoire. C'est vrai, il y a un pile bagay qui passe. Mais, n'a compté sur tout ça qui t'est passé, déjà, comme expérience. Pour nous faire plus bien, pour nous faire tout ça qui est possible pour gagner un pays meilleur pour tout le monde. Les forces de l'ordre ont évité le pire ces derniers mois. Elles nous ont tant de fois épargné de grands périls. Nous ne les remercierons jamais assez pour ces nuits et ces journées passer à veiller sur nous, à faire en sorte que nous dormions tranquillement, à protéger nos vies et nos biens. Elles ont souvent enregistré des pertes dans leur rang, ce que nous déplorons et que nous condamnons. C'est au nom du peuple haïtien que le gouvernement vous dit aujourd'hui, n'a continué à faire sacrifice pour nous joindre moyens, pour nous équiper toute force sécurité nous yo, puis bien. Ba yo, ça yo besoin. Et mettez yo dans situation pour répondre le nous mandé yo. Marchez prend bandi, croapez toute gang qui déclare nous la guerre. L'union fait la force et nous à dire. C'est dans l'union de forces de sécurité que nous trouverons la force de combattre
battre les gangs et d'éradiquer l'insécurité. C'est la condition sine qua non pour revenir à un fonctionnement normal de nos institutions, pour attirer de nouveaux investisseurs, pour créer de nouveaux emplois, bref, pour reconstruire.